temps que tu nous accordes. Je sais que sans toi, nous sommes rien. Nous avons besoin de ta faveur ce soir. Besoin de ta grâce, besoin de ton assistance. Viens à notre secours, parle à nos cœurs. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas, toute puissance contraire à ta volonté, toute puissance contraire à ta parole, et nous voulons que tu nous conduises, que tu nous parles. Parle à nos cœurs, fortifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Nous sommes toujours dans le salaire de Jacob. Genèse chapitre 33, verset 14. Genèse 33, verset 14, il est écrit: que mon Seigneur prenne le devant sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Nous ajoutons Genèse chapitre 32. On lit les versets 24, nous descendons jusqu'au 31e verset. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'éteignit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeait en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car dit-il: j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsqu'il passe à Peniel. Jacob boitait de la hanche. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Ok. Nous continuons notre enseignement, prédication, série d'exhortations sur les salaires de Jacob. Je dois vous rappeler qu'on parlait sur les campements. Mais pendant les confirmants, le Seigneur nous a inspiré de venir exhorter, prêcher, enseigner sur les salaires de Jacob. C'était seulement pour réconforter les enfants de Dieu, nous montrer la marche, nous montrer comment est-ce que Dieu nous a sauvés et le chemin de retour. Aujourd'hui, je commence l'enseignement par cette déclaration de Jacob. Il a dit: je suivrai lentement au pas du troupeau. C'est-à-dire que Jacob marchait au pas de son troupeau. Tous les mouvements que Jacob fit sur le chemin du retour, c'était au pas du troupeau. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas différencier la marche de Jacob et celle de son troupeau. Dit les chemins de Jacob, les pas de Jacob, c'était aussi les pas de son troupeau. Il y a un verset que je l'ai toujours répété, j'aimerais qu'on le lise aujourd'hui. Je suis dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Je commence là pour vous faire comprendre pourquoi nous étudions les salaires de Jacob si les pas de Jacob. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, commencez par le verset 6. Ne prenez pas garde à mon ténoir. Ça, c'est la femme qui parle. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi.
Ils m'ont fait gardien de vigne. Mm-hmm. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Verset 7. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime. Ça, c'est la femme. La femme, c'est la mythe qui parle parce que son mari, le bien-aimé, n'était pas présent. Et elle s'est lamentée parce que le fils de Jérusalem s'est moqué d'elle pour la couleur de sa peau. Et si la mythe ne s'arrête pas là-bas, elle part, c'est-à-dire elle sort de cet environnement pour chercher où se trouvait le bien-aimé. Voilà ce qu'elle dit. Dis-moi. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, mm-hmm. où tu fais paître tes brebis, mm-hmm. où tu les fais reposer à midi. Mm-hmm. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Ça, c'est la mythe. C'est-à-dire, à l'absence du bien-aimé, elle se voit comme si elle est égarée. J'aimerais que vous me suivez très bien. Parce que si la mythe, c'était une femme, c'était une brebis. C'était une colombe. Maintenant, elle voulait être auprès de son mari, qu'elle appelait le bien-aimé, le berger. Elle s'adresse à son bien-aimé en ces termes. Pourquoi serais-je égaré? Parce que vivre dans les appartements de Salomon, là où Sélamite était entourée de toutes sortes de moqueries, elle ne savait pas. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Et elle se sentait comme si humiliée, comme égarée. C'était le cri de son cœur. Pendant qu'elle criait comme ça, la réponse, verset 8. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces de brebis et fais paître tes chevaux près des demeures de bergers. Cela veut dire bien que tu cries. Mais si tu ne le sais pas, pour la plus belle de femmes, sors sur les traces de Brebis. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre chemin pour rencontrer le bien-aimé si ce n'est que passer sur les traces de Brebis. C'est-à-dire que le mari, avant qu'il s'éloigne de Silamite, il a pris les traces de Brebis. C'est-à-dire qu'il y a une Brebis et lui aussi est venu passer sur cette trace-là. Alors, si la Bible, tu ne peux pas te frayer un autre chemin. Je veux que l'enseignement d'aujourd'hui, que le Seigneur nous accorde l'intelligence pour comprendre les difficultés que nous pouvons rencontrer sur ce chemin à la recherche de Dieu. Si la Bible aujourd'hui, c'est l'Église. Aujourd'hui, quand nous considérons tout ce qui se passe dans le monde, on peut se sentir égaré. C'est bien le reproduit de l'État dans ce corps ou de l'État dans ce corps. Le corps a ses caprices, l'injustice. On ne peut pas chercher la justice dans ce monde corrompu, sur cette terre remplie de la corruption, de l'injustice. Mais la réponse de Silamite, c'est cette réponse-là qui m'a poussé de vous enseigner aujourd'hui les chemins que Jacob devait prendre jusqu'à retrouver son père. Donc si la mythe, tu n'as pas un autre chemin, tu ne peux pas fabriquer des raccourcis. Tu dois chercher le chemin où ton bien-aimé est passé. Et le bien-aimé n'était pas le premier à passer, il y a eu les brebis. Je vous dis que tous les prophètes de l'ancienne alliance ont suivi un chemin pour retourner à l'Éternel. C'est pas pour rien dans le livre de Hébreux chapitre 11, on a commencé à expliquer la vie d'Abel, Enoch, Noé, Abraham, et tous ces prophètes-là n'avaient pas plusieurs chemins. Ils n'avaient qu'un seul chemin. Et quand le bien-aimé est venu, lui le coup, il n'a suivi que ses chemins. Et si aujourd'hui nous sommes l'Église, on ne va pas fabriquer notre chemin. Nous allons arriver à avancer comme il était enseigné sur le chemin qu'il faut prendre. Je vous dis, avant de commencer mon enseignement,
enseignement aujourd'hui, Jacob est déjà béni. Il a presque tout. Mais il avait un chemin qu'il devait prendre. Nous échouons beaucoup, c'est parce que on ne respecte pas les chemins. On veut se faire des raccourcis. Recevoir être béni, c'est une chose. Mais garder la bénédiction jusqu'à présenter chez Isaac, c'est autre chose. On peut être béni, on peut recevoir toutes les grâces possibles, être un excellent enseignant, prédicateur, avoir tout, c'est une chose. Mais marcher sur les chemins jusqu'à l'éternité, c'est autre chose. Que le Seigneur vous bénisse. Mais Jacob est déjà béni. Mais il y a un chemin qu'il doit prendre. Voilà pourquoi je dis que si nous sommes les troupeaux de Jacob, on doit marcher sur ses pas. Donc tel qu'il est, tel que nous sommes. Il n'y a pas un autre chemin. Et vous allez remarquer que sur ce chemin de retour, Jacob a rencontré des combats, des difficultés, des déceptions. C'est ça le chemin, parce que aujourd'hui on se pose trop de questions. Chaque chapitre premier peut nous répondre avant de vous expliquer le message aujourd'hui. Vous allez comprendre que ce message a un caractère d'exhortation, d'enseignement. Parce que le Seigneur nous a inspirés pendant le confinement. Jacques chapitre 1er, voilà le chemin. Jacques chapitre 1er, commencez par le verset 2. Jacques chapitre 1, le verset 2. Descendez jusqu'au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles... Attends, les diverses épreuves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule épreuve, mais des diverses épreuves. Là, même le mec qui me suit, personne ne peut dire amen. Comment le chemin de retour à l'éternité, il y a de diverses épreuves. Avant, avant qu'on termine ce verset, un verset me revient à l'esprit. Acte chapitre 14, après cela, nous allons retourner là. Acte chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut, C'est par beaucoup de tribulations que qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui veut le royaume de Dieu doit accepter les tribulations. Amen. Je croyais que vous n'allez pas dire amen. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des enfants de Dieu ici. Qui accepte ça. Retournons maintenant dans chapitre 1. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mm-hmm. Sachant que le propre de votre foi produit la patience. Donc quand nous entrons dans l'épreuve, Dieu attend que la patience se produise dans nos cœurs. Ah, c'est pas facile. La patience est déjà là, mais Dieu veut voir que cette patience soit manifestée par les épreuves. C'est ça le chemin. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas le chemin de la vie éternelle. Il n'y a pas le chemin du royaume des cieux, sauf celui que Jésus-Christ est passé. Je vous dis des choses vraies. Allez sur YouTube, vous allez voir comment est-ce que des faux enseignements reçoivent beaucoup, beaucoup de j'aime, beaucoup de vues. Prêcher la repentance, les gens sautent. Mais c'est ça les chemins? Est-ce que vous supportez ce message? Amen. Trop dur, mais c'est ça. Amen. Alors, retournons à Genèse, chapitre 32. C'est-à-dire que Jacob, après avoir été béni, j'aimerais que vous regardiez ça très bien parce que je veux faire ensemble avec vous une étude aujourd'hui, ici, dans Jacob. Jacob à l'extérieur, il est béni. Mais pourquoi
chemin. Suivez-moi très bien. Parce qu'à l'extérieur, on le voyait béni, mais à l'intérieur, il y avait des choses que Dieu devait corriger. On peut voir un prophète Jean-Louis qui prêche bien, un évangéliste Robert qui prêche bien, un docteur Jason qui prêche bien, tel prédicateur prêche bien. Mais Dieu ne voit pas comme nous voyons. Dieu voit l'extérieur, mais voit aussi l'intérieur. Il a besoin de nous faire passer par des chemins que lui-même veut pour nous épirer, pour corriger l'injustice qu'il voit dans nous. Or, oh, celui qui veut retourner à l'éternité, il ne doit pas sauter les étapes voulues par Dieu. Il doit accepter ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Jacob avait la peur. Vous le savez, il est venu, mais il a la peur. Il est venu, mais il a les doutes. Il est venu, mais il a encore peur des âmes. Dieu voyait ça. C'est ce que Dieu, c'est ce que Frère Job a dit. Ce que je crée, c'est ce qui m'a mis. Bien qu'il était béni, mais il y a encore la crainte. Je sais que nous sommes témoins, parce que tu peux tromper tout le monde ou pas ta conscience. Dieu connaît qu'est-ce qui est encore caché dans toi. Voilà pourquoi nous sommes là. S'il nous laisse encore vivants, parce qu'il veut que s'il se chemin, qu'il puisse éradiquer ce qui est encore injustice dans mon cœur, dans ma vie. Ce qu'un homme ne peut pas voir, ce que ta femme ne peut pas voir, ce que ton pasteur ne peut pas voir. Mais Jésus-Christ permet à ce que lui-même vienne le corriger. Mais comment le corriger? Jacob attend que Esaü venait. Je ne veux pas revenir là parce que j'ai déjà donné le pourquoi de toutes ces choses. Il reste seul. Mais aujourd'hui, je veux vous faire comprendre. Quand est-ce que Dieu commence les combats avec l'homme? Je veux préciser. Il y a les combats qu'on peut chasser. J'entre dans la prière, je chasse. Mais il y a des combats qu'on ne peut pas chasser. Si Dieu te combat. Parce que Dieu peut aussi nous combattre. Il peut permettre des choses difficiles pour faire sortir la patience. Pour que chacun de nous se découvre devant la parole. C'est ce qui importe à Dieu, ce n'est pas l'argent que nous cherchons, mais nos âmes. On peut se poser des questions. Aujourd'hui, j'ai besoin de la voiture, j'ai besoin de la parcelle. Il n'y a pas de problème. Dieu peut nous le donner quand tu veux, comme il veut. Mais ce qui importe plus à Dieu, c'est l'état de ton âme. Le texte dit quoi, évangéliste? Avancez, Genèse chapitre 32. Je ne veux pas me répéter, il faudrait que j'avance. Genèse 32, verset 24. Allons-y. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Je vais m'arrêter là. Et vous prenez le verset 31. Ça, c'est la fin du combat. Verset 31. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa de rien. Jacob boitait de la hanche. C'est-à-dire que le combat ne peut pas dépasser le matin. Dieu attendez que Jacob soit seul pour le combattre. Dieu ne peut pas nous combattre avec des associations, non. Quand l'homme est seul, c'est là qu'il vient. Et quel temps? La nuit. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que Dieu voulait ici? Qu'est-ce que Dieu voulait? On montre peut-être quelques degrés. Je vais vous donner le pourquoi. Quand on voyait Jacob, il est béni, mais Dieu voyait Israël dans Jacob. Il voulait sortir Israël parce que son père connaissait que son nom c'est Jacob. Il est vainqueur, il a supplanté. Mais Dieu ne voyait pas seulement Jacob, Dieu voyait aussi Israël. Il savait que la promesse ne serait pas donnée à Jacob comme homme, mais à Israël. Parce que Israël, c'est la multitude, c'est tout un peuple. C'est-à-dire que quand vous regardez, il y a un Jacob, mais Dieu voulait faire sortir Israël. Comment faire sortir Israël? Il faut combattre Jacob. Si Jacob disparaît, alors Israël sort. Ah. Oh! Je veux voir comment est-ce que le prophète Élie plutôt ce jour-là, c'est le mot de Carmel. Parce que notre évangile explique de tous les mouvements. Il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Il n'a pas cité Jacob, il dit Israël.
Parce qu'ils savaient qu'Israël, c'est là où la promesse réside. Et vous allez comprendre aujourd'hui que, bien que Dieu dit, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom est Israël, personne ne l'a appelé Israël. Mais il est devenu Israël. Je l'expliquerai. C'est que Dieu voulait que, à part ce Jacob que vous voyez, mais comment faire sortir Israël qui est caché dans lui? Vous savez, je vais retourner dans un texte que vous connaissez parce que je vous ai déjà enseigné ça beaucoup de fois. Quand vous regardez, il y a un Moïse comme ça qui marchait. Regardez Moïse, c'était un Égyptien ou un Hébreu? Qui était-il? Égyptien ou Hébreu? Il était Égyptien ou Hébreu? Moïse, qui était-il? Égyptien ou Hébreu? Il était Hébreu. Il était Égyptien. Mais quand vous regardez Moïse comme ça, il est qui? Séphora a dit quoi? Il dit qu'il est un Égyptien. Vous avez le fait. C'est-à-dire que sa façon de s'habiller, c'est un Égyptien. Or, si Moïse reste Égyptien, il ne peut pas sauver les Hébreux. Parce qu'il devait être aussi Hébreu, s'identifier aux Hébreux, souffrir comme les Hébreux. Voilà pourquoi, le jour où Moïse tua l'Égyptien, il a cessé d'être Égyptien, il devient Hébreu. Parce que la nature égyptienne, c'est cette nature-là qu'il a tuée. Vous comprenez? Donc quand Moïse tue l'Égyptien, il se tue. C'est-à-dire que quand Moïse tue l'Égyptien, il se tue. Parce que l'Égyptien, c'est lui. L'Hébreu, c'est lui. Mais pourquoi il a tué l'Égyptien? Il a tué l'Égyptien pour que l'Hébreu reste. Parce que c'était le combat de l'Égyptien et l'Hébreu. Maintenant, il a expliqué ça dans son corps. Le combat qui était au-devant de lui, Égyptien, Hébreu, il a pris ça dans son corps. C'est-à-dire qu'il tue l'Égyptien, il le bouffe dans la poussière pour que l'Hébreu reste. À ce moment-là, il ne restera plus Égyptien, il fouille. Heureusement qu'un frère de notre église nous a aidé pour interpréter. Il a dit, Moïse a vu l'opprobre de Christ, supérieur à la richesse de l'Égypte. Donc, comment est-ce que Moïse a tué l'Égyptien? Il a vu l'opprobre de Christ. C'est-à-dire qu'il a vu la croix. Parce que l'opprobre, ce n'était pas Bethléem. L'opprobre, c'était la croix. Là, on l'a déshabillé. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas seulement l'Égyptien, mais tu es aussi Hébreu. Parce que comme l'Égyptien, il est le fils du roi. Mais comme l'Hébreu, c'est le fils de la promesse. Sauf qu'il devait être l'aidé. Parce que s'il était né Hébreu esclave, Moïse ne pouvait pas délivrer les Hébreux parce que lui aussi était esclave. Il devait être Hébreu, esclave, égyptien, libre pour délivrer l'Hébreu. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu était à la fois, Jésus était à la fois homme, Dieu, pour délivrer l'homme. Donc s'il était resté l'homme, il n'allait pas délivrer l'homme parce que l'homme est vendu au péché. Il devait être Dieu pour délivrer l'homme. Alors s'il était seulement l'homme, il ne pouvait pas se délivrer parce que ce jour-là, le brigand lui a dit, sauve-toi toi-même. Parce qu'un homme ne peut pas se sauver. Il faudra qu'il soit Dieu. Voilà pourquoi l'autre brigand dit, ne crains pas Dieu. Oui, il est Dieu. L'autre dit l'homme, mais l'autre voit Dieu. C'est-à-dire qu'à la croix, quelqu'un a vu l'homme, l'autre a vu Dieu. C'est-à-dire en réalité Jacob, quand vous le voyez, bien que Jacob, mais il était aussi Israël. Comment faire la nuit? Dieu attendait la nuit. 2 Corinthiens chapitre 4. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Quand est-ce que Dieu a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres? Quand est-ce que Dieu a dit ça, que la lumière brillera du sein des ténèbres? C'est quand l'Esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des autres. Et s'il vous plaît, les ténèbres, l'obscurité n'étaient pas sur les autres. L'obscurité s'est trouvée où?
à la Bible. Maintenant, quand Dieu a dit que la lumière soit, c'était les ténèbres. Je suis pour que Dieu veuille se faire voir. Alors que Dieu ne commence pas par le jour, Dieu commence toujours par la nuit. Amen. C'est là qu'il doit te frapper. Parce que les ténèbres, c'est ça, la nature de l'homme, l'obscurité. Dieu ne peut pas te façonner aux yeux des hommes. Impossible. Écoutez-moi très bien. Je suis descendu pour vous faire comprendre les combats. Parce que le mardi, j'étais resté plus ici que c'est seulement aujourd'hui. Je prends ce combat-là dans notre vie. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ, devant la foule, il parlait en parabole, devant le ciel, mais dans ta chair, il est sanglé. C'est-à-dire, si je suis un homme public, la force du public, c'est la cachette. Dieu nous prépare, Dieu nous façonne, Dieu nous dépouille dans l'obscurité, là où l'œil ne peut pas voir. C'est dans le but, c'est-à-dire que c'est dans ce temps-là qu'il a commencé à frapper Jacob. Dans l'obscurité, dans l'ignorance. Et Dieu combat la nuit parce que la nuit, c'est là où l'homme devient faible. Dieu combat la nuit parce que c'est la nuit que... Parce que je dois vous dire que Dieu ne créait pas le jour. Dieu créait la nuit et le jour, il révélait l'œuvre de la nuit. C'est-à-dire que si Dieu crée, si Dieu façonne quelque chose, il le fait dans le secret. Voilà pourquoi ce qui est important dans la vie de l'homme, ce n'est pas seulement des choses que vous voyez. Ce qui fait la force de l'homme, c'est l'intérieur. C'est pas pour rien la sœur Naomi a dit ceci à Ruth. Elle dit, Ruth, cette nuit, Boaz finira tout. Va. C'est-à-dire que c'est dans la nuit. Quand on voyait Boaz le jour racheter Ruth, ça n'a pas commencé le jour, c'était la nuit. Le vrai combat se passe dans l'obscurité. Ici, on voit Jean-Louis. Mais à l'intérieur de moi, il faut que la parole puisse me triompher. On peut te voir comme ça, une sœur en Christ bien habillée, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Alors, le vrai combat se passe à l'intérieur de l'homme. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, les circonstances de ce monde ne changeront pas. Au contraire, le diable va prier l'accélérateur pour que la vie devienne encore trop dure. Si vous attendez la solution à ce monde, la solution ne viendra jamais. Mais dans vous, il y a la solution. Dans vous, il y a la paix. Dans vous, il y a l'amour. Dans vous, il y a tout. C'est pas pour rien faire politique. La création attend la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire que ce que le monde attend ne se trouve pas à l'extérieur, mais ça se trouve dans nous. Shalom. C'est dans la nuit que l'Éternel a rencontré Jacob. Il a commencé le combat. Et pourquoi il battait Jacob? Parce qu'il voulait sortir Israël qui était caché dans lui. Je dois vous dire des choses vraies. Aujourd'hui, nous allons vers l'éternité. Mais Dieu permet que le combat aussi se passe dans notre vie. Ici, je ne parle pas du combat avec les démons, le combat avec les sorciers, mais Dieu peut susciter des combats pour briser notre orgueil. Dieu peut susciter des combats, Dieu peut créer des circonstances pour que l'homme trouve que je suis rien. Parce que Jacob se croyait qu'il est fort. Jacob se croyait que, en tout cas, j'ai acquis la richesse, mais il y a quelqu'un qui l'a combattu. Et cet homme-là le combattait pour que Jacob réalise réellement que je suis rien. Genèse, nous sommes toujours là. Chapitre 32. Nous sommes toujours dans le verset que j'ai lu. Genèse, chapitre 32. Verset 26. Alors, il dit,
Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je te laisserai pour aller, que tu m'aies béni. Attends, très bien. Il y a le combat contre Jacob et l'Éternel. Et je dois vous préciser que la position de Jacob, Jacob ne pouvait pas répondre soit par un coup parce qu'il ne voyait pas son adversaire. Il ne le connaissait pas même. Mais la position de Jacob, c'était seulement retenir. J'ai toujours dit que si vous voulez combattre avec Dieu, même si les choses deviennent difficiles, retiens seulement sa parole. C'est tout. Jacob a tenu Dieu. Et parce que Dieu doit respecter sa propre parole, je vous ai toujours dit que les jours ne peuvent pas frapper, je ne peux pas revenir là. Il dit, je dois m'en aller parce que c'est déjà les jours. Jacob dit non, tu dois me bénir. Est-ce que Jacob avait besoin de la bénédiction? Je souhaite que tu sois en bon état, que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état. Ça dit que la bénédiction extérieure n'a pas de sens si la bénédiction intérieure n'est pas le fondement de ce qui est extérieur. Amen. Amen. Oh, je veux vous dire des choses vraies. Jésus-Christ peut guérir n'importe qui. Il peut faire le miracle à n'importe qui. J'expliquerai ça le dimanche, comment ce frère-là. Jésus-Christ là, quoi que moi je prie pour quelqu'un. Il y a des fois, je ne pose pas trop de conditions. Je dis seulement à la personne de quoi je vais aller dire. Parce que Dieu peut faire les choses comme il veut. Dieu peut guérir comme il veut. Sans qu'il dame, sans quoi que ce soit. S'il veut venir, il bénit. S'il veut venir, il bénit. Mais il y a des fois, s'il y a la résistance, on fait aussi le travail différent. Écoutez. Jésus-Christ, hein, quand il a guéri ce frère-là aveugle, est-ce que ce frère le connaissait? Non. Il dit, bon, qu'est-ce que toi tu dis de cet homme? Il dit, bon, un homme qu'on appelle Jésus m'a dit cela. Il a appuyé salive, bouche, alors toi, qu'est-ce que toi tu dis de lui? Il ne connaissait rien. Juste à ce que Christ l'a rencontré, il dit, connais-tu le Fils de Dieu? Il dit, qui est-il? Il est guéri. Il a reçu le miracle. Ça, la connaissance. Est-ce qu'on me comprend? Je veux parler un peu à l'âme là. Je veux parler à l'âme. Okay. Ce qui a tué le Juif, c'est ça. Le Juif cherchait les miracles par la connaissance, alors que la connaissance, ce sont les grecs qui ont la raison. Là, vous ne m'avez pas parlé. C'est-à-dire que quelqu'un, on peut pour lui, il veut chercher, bon, mais pourquoi de la guérison? Pourquoi le pose de main ici? Pourquoi vous n'allez pas recevoir? Parce que si Dieu veut guérir, il n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Il fait des choses comme il veut. Alors, j'ai besoin de venir chez Dieu par la foi comme un enfant. Si je prends Davidson ici, à la main, je sors avec lui, il ne peut pas se poser des questions. Où est-ce que papa, j'ai oublié ma mère? Il est la silence qui m'amène, c'est de droit chez moi. Maintenant, la foi chez Dieu, c'est comme ça. Je suis entre ses mains, là, il m'amène, je ne sais pas, mais je sais que j'ai arrivé. Il y a des fois, il faut prier comme ça. Je ne vois rien, je ne comprends rien, mais je mets la confiance que entre les mains de Dieu, ça va. Maintenant, Dieu a béni Jacob, Jacob n'avait pas la connaissance, si vous voulez. Cette église-là est bénie, qu'est-ce qu'ils ont? Dieu, pour bénir les gens, ils n'ont pas besoin de ça. Dieu bénit les gens comme lui. Mais si tu es bien, il sera sévère avec toi par rapport à Jésus. Voilà pourquoi nous n'allons pas envier de fausses églises, parce que peut-être ce sont des Judas. Ils ne peuvent pas aller très loin avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ avait dit, je suis la porte, Judas était là. Quand il s'est déshabillé, Judas était là. Quand il a versé l'eau dans les bassins, Judas était là. Quand il a lavé, Judas était là. Quand il a donné le pain, on se sépare, Judas part. C'est-à-dire que là, Judas s'est arrêté seulement dans les parvis. Parce que là, il y a qui des reins, ils sont entrés dans les desserts, ils s'arrêtent là. Donc quand il dit je suis la lumière, Judas n'est plus là-bas, parce que c'est les chambres de Dieu.
quand il monte à la croix de Golgotha, c'est le voir, c'est le bien très séjourné, c'est non. Tu peux commencer avec Dieu, tu t'arrêtes quelque part, mais Pierre il verra jusqu'au bout. Quel est le Seigneur? Donc n'envie pas quelqu'un s'il réussit dans le mal, dans le péché. Reste dans la doctrine, parce que toi tu n'es pas tout le monde. Écoutez, oh là là, le temps est parti, je dois quand même terminer ça. Alors, je vais vous dire ceci. Quand Dieu a combattu Jacob, le micro ne répond plus bien de ça. Arrangez ça plus. Alors, le combat, il se fait comme Jacob voulait la bénédiction. Mais Dieu, pour bénir Jacob, il demande tout d'abord son nom. Je vais revenir là parce que je vais vous expliquer comment Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Mais lui-même, dans Bethel, il appelle Jacob Israël. Alors qu'ici, il avait déjà changé le nom. Ça veut dire que c'était un processus. Nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifeste. Dieu peut te bénir aujourd'hui, mais attention, tu es dans la marche. Voilà pourquoi quelqu'un a levé seulement que je suis en train de pécher pour ça, pour nous tirer à ma bonne colonie. Donc, tu peux avoir le ministère, mais ce n'est pas aujourd'hui. Il faut marcher. Mon cas, c'est-à-dire que j'ai prié depuis des années là. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on peut te poser les mains aujourd'hui si tu n'as pas le ministère à la place de Xélé. Je vous dis des choses, les choses de Dieu sont comme ça. On peut te poser les mêmes, mais il n'y a pas d'excellence. Mais nous sommes dans l'assemblée de ce. Qu'est-ce qui est difficile pour que les gens qui passent se rebâtissent? Si je ne verrai pas, ça va, on ne verra rien dans ma vie. Bon. Mais je suis un frère de l'assemblée. Si j'ai imposé les mains avec une précipitation, je peux passer pour dire. Pardonnez-moi, j'ai posé les mains avec précipitation. Vous n'allez pas me refuser comme votre pasteur. Nous sommes dans la marche, n'est-ce pas? Mais alors, c'est ça. Parce que comme je là, je vous dis des choses vraies. Samuel passait autrefois quand on prêchait dans la compétition. On disait, le ministre prêche tout. Le ministre connaît tout. Mais après, c'était temps, on disait, le ministre connaît la doctrine. Mais il y a la compréhension dans la doctrine. Alors maintenant, Samuel, quand il est allé imposer les mains, il s'est trompé aussi, non? Il a dit Eliab. Il dit, l'Éternel dit non, ce n'est pas Eliab. On peut aussi se tromper comme les humains. Mais c'est la fin qui compte. Alors j'avance pour dire qu'en réalité, Dieu a changé le nom. Il dit, ton nom c'est Israël. Il a sorti ce qui était caché dans lui. Mais à la fin, il est devenu Israël. Je l'expliquerai. Mais mon problème, c'est ici. Quand on finit le combat, je ne vais pas revenir parce qu'il faut que je vous explique, peut-être que ça sera la semaine prochaine, comment Dieu frappe Jacob ici. Jacob, le jour, il commence à boiter et toute la maison d'Israël ne va plus manger ça. C'est ça. Donc, là, c'est ça, ma mère, quand elle est venue, elle m'a dit, elle m'a. Mais c'est resté l'enseignement. Vous n'avez pas dit ça. Je l'expliquerai. Mais aujourd'hui, j'avance. Évangéliste, prenons ça. Notre prédication, nous allons nous arrêter ici. Verset 28. Genèse 32, verset 28. Allez-y. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Attends. Ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, tu as été vainqueur. Oh, j'aime ça. C'est-à-dire, le reste de la vie de l'homme, si vous pouvez oublier toutes les révélations, les enseignements que je vous ai donnés, n'oubliez pas ça. Dieu reconnaît que Jacob a pas la lutte avec Dieu. Il est encore la lutte avec des hommes. Mais la victoire qu'il a eu avec Dieu sécurise Jacob sur le reste du combat du passé du futur. Donc je vais rencontrer le combat. Aujourd'hui, on va combattre
demain on va me combattre. Mais pour que je sois vainqueur, ça dépend du combat que je lutte avec Dieu. Celui qui lutte mal, parce que je vous dis vrai, si Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, c'était la bénédiction. On bénit qui? On paye qui? L'homme à qui on a vaincu. Mais si c'était que l'Éternel frappe Jacob, Jacob aussi, match nul, Dieu ne peut pas le bénir. Donc je viens à l'église du matin au soir, on me prêche ceci, la parole ne triomphe pas sur ma vie. N'attendez pas la bénédiction, mais la bénédiction vient sur la personne à qui la parole a triomphé. Mais le reste de la vie, Jacob sera victorieux. Pourquoi? Il a été vainqueur. Et il sera vainqueur. Vérifiez les autres traditions, vous allez voir que cette lutte de Jacob, parce que Jacob a lutté avec l'Éternel, au reste des hommes, il a aussi vaincu. C'est-à-dire que cette lutte, donc, est tout mal à Bundi Nanzambe, et ça dit que Jacob reste victorieux toute sa vie. Ne néglige pas la parole. Tous les combats qui t'attendent dans ta vie, tu ne peux pas les vaincre si la parole n'a pas triomphé. Tu peux chasser les démons. Les démons ne peuvent pas t'obéir. Mais il faut que la parole, je dis, cette lutte-là, que la parole triomphe. Parce qu'on ne peut pas combattre avec un Dieu esprit, mais on combat avec Dieu la parole. Mes émotions, mes sentiments, les moi. Si la parole triomphe ma vie, le reste je serai vaincu. Je termine ma prédication ici. Genèse 32. Vous allez voir comment cette lutte a changé les choses dans la vie de Jacob. Genèse 32. C'est pourquoi jusqu'à ce. Attends. Prenez le verset. Prenez le verset 6. 6, 7. Genèse 32, le verset 6 ou 7e verset. Le messager revint auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et s'est mis en angoisse. C'est-à-dire que quand on avait appelé Jacob, Jacob, chérie, Ésaü vient. Jacob a commencé à trembler. Dieu est venu le combattre. Quand Dieu a combattu Jacob, et Dieu était clair, il dit, parce que tu as lutté avec Dieu, tu as vaincu avec les hommes, tu as vaincu. C'est-à-dire que Jacob, si on le dit encore, Ésaü vient, il n'a plus peur. Pourquoi? Parce qu'il a déjà lutté avec Dieu. Et les choses ont changé. Les habitants du pays de l'évangile éternel qui expliquent le mouvement de chaque chose. Comment Ésaü qui venait, mais après la lutte de Jacob, Genèse 33. Genèse 33, verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Ah, tu vois, il y a plus la colère. Ésaü qui venait, je veux dire Jacob, parce que Jacob a combattu avec l'Éternel. Et Ésaü lui-même se soumet. Ah, quelque chose? Bon. Cherchons ça terre à terre. Qui était entré dans Judas pour trahir Jésus? C'est le diable. Le mauvais esprit savait qu'en tout cas, Jésus-Christ, si c'est fini, il faut qu'il soit enterré. Mais après la mort, la victoire, le mauvais esprit se prosterne. Parce que lui est plus que la guerre. Il a combattu, il est sorti victorieux. Et maintenant, la paix a changé le côté. Mais quand on a amené Jésus à la croix, il croyait que c'est sa fin. Mais parce qu'il a combattu, il est sorti victorieux. Personne ne peut le vaincre. Voilà pourquoi, après Golgotha, Jésus-Christ qui était resté seul à Gethsemane, après la résurrection, après avoir traversé le jour, le matin, on l'a vu devant.
C'est-à-dire que Jacob change la position. La nuit, il était derrière, mais le matin, le jour, il est devant. Celui qui est devenu la tête de l'église, c'est celui qui s'est humilié. Aujourd'hui, il y aura des combats. Aujourd'hui, il y a des combats, demain, il y aura des combats. Mais tout dépend de la position que nous avons de la parole. Si tu veux que les mauvais esprits te craignent, parce qu'ils viendront, ils t'attaqueront. Respecte seulement la parole. Si la parole triomphe sur tes émotions, tes sentiments, c'est pas facile. On appelle ça lutte, combat. C'est-à-dire que vous combattez avec la parole, mais vous laissez. Je te pardonne, non parce que tu l'as mérité, mais parce que la parole m'a recommandé de te pardonner. Je t'accepte, parce que le diable, pour te combattre, il va utiliser le point sensible, le point faible, parce qu'il te connaît plus que toi-même. Mais celui qui s'abandonne, parce que Jacob a dit, non, je reconnais que je suis faible. Il a commencé à boiter. Et si on pose à Jacob la question, qui t'a frappé comme ça l'Éternel? Donc, c'est-à-dire, il est resté, bien que j'étais fort, je courais, je marchais, mais ici, je marche plus bien. Pourquoi l'Éternel m'a frappé? Si tu as des traces de Dieu dans ta vie, Dieu viendra te chercher. Et quel que soit le combat, parce que Dieu est prêt. Parce que tu as lutté avec moi, c'est bien. Celui qui a fait l'expérience avec Dieu, avec la parole, quelles que soient les difficultés dans sa vie, il va se référer. Il y a des fois la peur, le doute, ça viendra dans notre vie. Ça va venir, ça ne va pas. Il n'y a aucune prière qui va supprimer le doute, la peur, ça viendra. Mais comme un homme, je me souviens d'une expérience que je fais avec le Seigneur. C'est pas pour rien, Jacob dit, mon âme, mes yeux t'ont vu et mon âme a été sauvée. C'est-à-dire que, quel que soit le monde, je combattis avec Dieu, alors toi, qu'est-ce que toi tu feras? La différence qui était entre David et Saul, bien amené, c'était ça. Quand c'est David, quoi, je combattais déjà avec Dieu, avec vous. Alors, voilà, Goliath fera quoi? Il y a des gens qui prient, qui prêchent, mais qui n'ont pas vu, qui n'ont pas fait l'expérience avec Dieu. Devant les épreuves, ils abandonnent facilement. Ils ont peur des épreuves, de difficultés. Ils ont peur des combats. Et c'est là que le diable profite, parce que le diable sait la peur, le doute, les circonstances deviennent difficiles. Je dis à une soeur qui a le problème de la maternité, je dis, le jour où tu mourras sans avoir l'enfant, c'est alors que nous allons poser à Dieu la question pourquoi il avait dit qu'en Israël il n'y aura pas une femme stérile. Mais comme tu es encore vivant, il est l'esclave de sa parole. Il fera quand, je ne sais pas, mais je crois qu'il est fait. On reste comme ça. Je n'ai pas besoin de tout réfléchir, tout connaître. Non. J'ai besoin de rester dans ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, je retiens Dieu dans sa parole, je m'arrête là. Le reste, il le fera. Et va le combat qui viendra, ce n'est pas mon problème. J'ai déjà combattu avec l'Éternel. Et il a sorti ce qui est à moi. Écoutez-moi. Je vous dis aujourd'hui, à part tout ce que vous voyez à l'extérieur, il y a encore des choses que vous n'avez pas encore vues, qui se trouvent dans vous. Vous ne savez pas ce qui est dans vous. Ce n'est pas pour rien de faire pour dire que nous gardons ce trésor dans ce face de terre. C'est-à-dire que moi, un homme, il y a des choses qui se trouvent dans nous. Nous sommes limités par des circonstances, par des choses que nous voyons. Mais faire face avec la parole, ça peut changer tout. Je ne veux pas que tu t'arrêtes sur des choses que tu vois aujourd'hui. Je vous ai toujours dit que moi, je ne crois pas aux choses impossibles. Moi, chez moi, dans mon vocabulaire, impossible, ça n'existe pas. Parce que je crois que tout est possible à celui qui croit. Si je peux, Dieu ne me donne pas aujourd'hui, c'est-à-dire, ce n'est pas sa volonté pour qu'il me donne aujourd'hui. Mais autant au contraire, il me donnera. Je m'arrête. Si je me force, si une chose, ça me dit, je n'ai pas le temps de dire, Seigneur, pourquoi c'est... Non, non, moi je me force. Je dis, tu as toujours raison.
tu sais que ce n'est pas encore le temps. Mais quand le temps viendra, tu le verras. C'est-à-dire, on a confiance à Dieu parce qu'on croit que rien ne peut l'arrêter. Je veux que tu découvres les potentialités, la force que Dieu a placée dans toi. Tu es capable parce que Dieu qui t'a sauvé a mis beaucoup de choses dans ta vie. Il y a des fois, nous hésitons parce qu'on a vu, on a attendu, et le diable profite de la peur, de doute. Voilà pourquoi il faut que la parole de Dieu nous frappe, nous dépouille. Dieu peut créer des circonstances, des difficultés. Il peut permettre que quelqu'un puisse inventer quelque chose que tu ne sais pas. Et telle chose arrive. J'ai vu ça. David, alors qu'il fuyait Chiméli, son fils Absalom, Chiméli est venu dire des choses que David n'a jamais fait. Maintenant, tu n'as pas le temps de dire, Chiméli, qu'est-ce que je fais? Peut-être que c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Donc Dieu peut susciter d'autres choses pour voir la confiance que tu as envers lui. Mais quand il verra que tu es au bout, il est déviant. Est-ce que tu crois à cette parole? Amen. C'est ça la lutte, hein? C'est ça la lutte. Contre le moi. Je me dis arrangé pour que ma famille voyage quelque part. Et s'il vous plaît, je ne manquais pas de moyens. Je ne manquais pas de moyens. Je me dis arrangé. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai dit à mon épouse qu'on arrête. On arrête. Si Dieu veut, ça vient. Je ne veux pas me forcer. Quand je me forçais, j'ai perdu beaucoup d'argent. Depuis le jour où je me suis dit que ta volonté soit faite, je n'ai plus de cauchemar de voyage. Parce qu'à ce temps-là, je voyais, on a voyagé, on a fait 6-7 ans. Et s'il n'y a pas la stabilité dans la pensée de l'homme, c'est là que le diable profite. J'avais trop de cauchemars. Maman, il dit, on a voyagé, on a fait ceci, cela, on a voyagé. Non. Seigneur, si tu veux que je me déplace à un tel endroit, tu ne vas pas me troubler. Donc, il faut avoir la confiance en elle. Je ne sais pas si tu as la confiance en elle. Seigneur, tu ne peux pas me troubler, je ne dors pas, j'ai sommeil, je rêve, tel pays. Non, ça c'est de la distraction. C'est-à-dire, le diable voit ton souci, le diable voit comment est-ce que tu t'es limité, il vient te donner de fausses visions, de fausses révélations. On a vu des gens comme ça, j'ai rêvé, je suis à Dallas. Qui te dit là, Dallas, que les gens ne souffrent pas? Ton problème, ce n'est pas Dallas, ton problème, où est-ce que Dieu veut que tu sois, c'est tout. Mais on a forcé des histoires, on a ouvert le porte aux démons, aux soucis, aux difficultés inutiles. C'est parce qu'on veut se faire son propre chemin. Avant que tu existes, il y a un Dieu qui a fait un chemin pour toi. Et Dieu ne peut accepter que de bonnes choses pour ses enfants. Ce soir, je suis venu te dire que dans toi, il y a des choses que tu n'as pas encore exploitées. Si tu exploites ça, tu verras que tu es extraordinaire. Et le Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas le Dieu qui est limité par des circonstances. Il est un Dieu qui peut faire des choses au-delà de ce que nous pouvons passer. Si nous pouvons lui faire confiance, de laisser sa parole triompher sur nous, nous allons l'expérimenter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Nous allons prier selon les messages que Dieu nous a donnés. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce de vivre cette parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur.